Bonjour et bienvenue, on se retrouve sur Green Hell après le retour difficile de l'épisode précédent. Il n'y a pas de cordes là-dessus. On va. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir que je regarde un petit peu mon armure là, parce qu'apparemment, elle est bien endommagée. Alors, voyons voir. Ici, on est à 12% brisé. Donc celle-là, on peut la jeter. C'est le jaguar brisé. Et 12%. Dommage, c'était un tatou. ben on va les virer carrément toutes. Et on va essayer de s'en refaire. Alors, il faut détruire ça. Ben alors, voilà. Bah, je peux pas la détruire. Ah, elle est brisée, on peut pas la détruire. Tiens donc. Ah bah ça disparaît. Il y a une... Ouais, voilà. Ah, d'accord. Alors pour faire une armure, je sais plus, il me faut des feuilles de bananier. Et on va faire avec des os. Je sais plus trop comment ça marche. Tiens, j'avais des feuilles de bananier. Il n'y a pas de bananes là? Non. Mais... Je ne. Faut que je trouve des. Faut que je trouve des feuilles de bananier. Il n'en restait pas par là. Attends, on va récupérer du bois au passage. Ah, des bananes. Chouette. Ouais, on n'ira pas loin. Alors, voyons. Ça fait un petit moment que je suis pas revenu là. Et ça me fait plaisir d'y revenir. Le feu, il est comment là? Ça va, ok. On a de l'eau ici, rien là et rien là. Ben, ça fait pas grand-chose tout ça. Alors, on va mettre de l'eau, c'est vide. Ok. J'ai une carapace de tortue sur moi que je peux peut-être déposer là. Ouais, il y a encore une place. Ce feu, il faudra le rallumer un de ces quatre. Ah, ben, j'ai même un pot là. C'est encore mieux. Voilà, j'ai un os. Ok, ben je la carapace de tortue, je la stockerai bien quelque part, on ne sait jamais. Là, ça je peux le détruire. J'ai un bidon, non. Tiens, je vais prendre quelques pierres, comme j'en ai là. 4. J'ai pris 4 pierres là. Je suis pas persuadé. Non, là, je dois en avoir 2 là. Alors, on va chercher de l'eau. Ah, j'ai la boue qui est ici. Ok. Mais il n'y a pas le croco dans le coin. Bon, j'espère qu'il va m'oublier un petit peu. Voilà. Il va falloir aller chasser, il va falloir remettre de la viande sur le séchoir. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Ok, ça c'est bon comme le temps. Un jour et 14 heures. 2 jours. Les champignons, un jour. Et ça, tout ça, c'est un jour. Ok, je vais peut-être déposer dans un coffre ici les boîtes de conserve. Voilà, ça c'est bon à garder. Voilà, ça aussi. Ok. Qu'est-ce que j'ai à poser? J'ai pas mal de charbon sur moi. Je vais le garder. Les noix, si je peux les stocker quelque part, elles me servent pas pour l'instant. Les plumes, bof, ne servent pas non plus. Qu'est-ce que j'ai là? Je dois avoir des fruits pourris. Ouais, quelques-uns, pas mal de charbon également. Je peux peut-être déposer ça. Ça me fera de l'engrais. Ah, c'est du tabac là. Ça, c'est bon ça, parce que avec ces pansements, voilà, je vais pouvoir. Zut, il faut que je les prenne sur moi. Voilà, je vais pouvoir fabriquer des pansements en feuilles de tabac. Ok, j'en ai qu'un. Ouais, j'en ai qu'un. Va falloir que je retrouve du tabac et si je pouvais garder les graines, ça serait pas mal. Combien on pèse? 37 kilos. Je peux peut-être déposer ça là. J'ai les bananes pourries là, d'accord. Ok. Ok, il nous manque de quoi là? Un petit peu de glucides et un petit peu de protéines.
protéines. On a ça. J'entends l'orage. On va manger ça. Voilà. Bon, là, on est plutôt bien. Le soir arrive déjà. J'ai rien fait, la journée est déjà passée. Oui, je voulais des feuilles de bananier. Attention aux araignées par ici. Là, je vais pouvoir en avoir, mais si je le prends, bien sûr, ça ne repoussera plus. Ah, des papillons. Ouais. On va quand même le récolter. Alors, je vais les prendre avec moi. Je sais pas combien il en faut en tout. Voilà, j'en ai 6. Voilà, les os sont par là. On va se mettre là. Alors, comment ça marche déjà? On va faire fabriquer peut-être 3 os de feuilles. Non, une feuille de bananier et une corde. 2 cordes. Ouais, c'est bon. 2 cordes, 3 os, une feuille de bananier. Ok, on fabrique ça. Est-ce qu'on peut le ranger là? Non, parce que c'est le bazar. L'os, je vais le déposer. Ça, il faudrait le ranger ailleurs. La cendre, on peut pas les stocker, c'est dommage. Ok. Nouvelle entrée, armure en os. Ouais, tu parles. Alors, celle-là, on la met là. Elle est à 42%. Ok. On revient ici. Et on refait pareil, alors il nous faut encore un os. Voilà. 2 os. C'est 3, je crois. Une feuille de bananier et 2 cordes. Voilà, ça c'est bon. Il pourra la mettre dans le sac en plus. Voilà. Donc on peut s'équiper directement avec. Ok. J'entends des bruits. Fabriquer. Là, il me faut encore 2 os. Il m'en manquera un, je pense. Non, 3. Ouais, il m'en manquera 3 os. Il va falloir que j'aille chasser peut-être un peu. 1 et 2. Alors, c'est sûrement moins solide que. Nouvelle entrée, lance à 4 pics. Ah bon? C'est pour pêcher les poissons, ça. On va mettre une ici. Ok. Bon, je n'ai pas. Il me reste 2 os. Il m'en faut un troisième. Et je n'en ai pas de troisième. Ici, il y a de la viande. C'est encore bon, ça? Ah ouais, c'est même bon. Et il y a toujours de la viande qui est en train de sécher. Bon, on a plein de viande, en fait. Ok, on va pas se plaindre. Le feu, il est comment? Ça va, on va pouvoir y mettre un petit bout de charbon. Ici, là. Ah ouais, d'accord. On a encore du charbon et de la cendre ici. C'est parfait. Il se fait nuit. Il est à peine 19 h. C'est fou ça. Là, on a pas mal de boue. On n'y voit pas grand-chose. Si je vais voir là-haut. Ça fait longtemps que j'y ai pas été. Voilà. Donc là, je peux pas construire ici, je crois bien, à cause des deux troncs qui est en bas. Ah ouais, tiens, j'ai vu les nouvelles entrées là. Lance à 4 pics, arc, flèche. Ouais, il fallait que je fasse un arc. Longue branche de bambou, corde. Ouais. Il fallait que je m'entraîne un petit peu à l'arc. Bon, si on fait une charpente ici, on peut la faire en bambou ou en bois. Je dirais bien en bambou. Ouais, là on peut pas la mettre, c'est dommage, vraiment dommage. Là on peut. Et de ce côté-là, c'est pareil, je ne pourrais certainement pas placer. Non. Donc on peut faire deux trucs comme ça.
Il va falloir qu'on agrandisse un petit peu là. Ici, je pourrais presque. Non, parce qu'à l'échelle, là, je peux, mais ça ne m'intéresse pas trop. Non, on va plutôt faire comme ça. Voilà, je suis en train de poser. Ah. Pourquoi il veut pas là? Parce que c'est pas fait. Ouais, parce qu'il y a rien de fait. D'accord. Hop. Parce qu'il n'y a rien de fait. D'accord. Là, ici. Oh oui. Là, il y aura plein de bananes. Que je vais pouvoir aller poser. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà, que je vais pouvoir aller poser en bas dans les coffres. Ça me fera beaucoup d'engrais lorsque ça aura pourri. Ok, ça pousse tout le temps, c'est vraiment génial les bananes. Je peux passer par l'échelle, mais je peux aussi passer par là. Voilà. On va les poser là. Alors, des stacks de bananes complets. Je sais pas si on va pouvoir tout mettre. Trop de bordel. Zut. J'ai que deux coffres. Et là, c'est bien, bien complet aussi. Ah, oh, mais j'ai une carapace de tatou là. Ah, ouais, mais il va falloir des trois autres quoi. Il va falloir refaire des coffres, peut-être à l'étage là-haut. Il va falloir aller couper des bambous. Les bambous, je pense qu'on va en trouver. Là, je peux pas mettre de mur là. Est-ce que je peux mettre un mur là, avec une fenêtre? Mur en bout. Mur à fenêtre. Ah non, ah si. Si, si. Ok. Très bien. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir de suite le faire. Voilà, ça permet d'avancer un peu. Après, on ira dormir parce qu'il va commencer à être fatigué. Hop, c'est là. Voilà, plus qu'un morceau, on sort les autres, on a refait, et ça sera bien. Ok, très bien. On va sortir les morceaux là, les mettre par côté. Voilà, comme ça je vais pouvoir en refaire tranquillement. Peur qu'il y ait le crocodile. Ok, pour l'eau ça va se faire tout seul. Faudrait se laver un peu quand même. On est bien sale. Allez, c'est bon. Ok, parfait. De l'eau ici, de l'eau là-bas. J'entends des bruits de partout, mais bon, ça va, ça risque rien. Comment on est là? On manque de quoi? De rien du tout, c'est bon. Eh ben, on va aller dormir et on se retrouve au petit matin. Voilà, il est 6h30 du matin. Il y avait des tout dans les. Voilà, une petite douleur, il y en a encore plein. Ouais, j'ai pas trop envie quand même de récolter ce qu'il y a dans les sacs. Parce que de toute façon, j'ai plus vraiment la place pour stocker quoi que ce soit. J'ai récupéré un tas de trucs là. Ça, je peux le poser là. Les antidouleurs, on peut. S'ils veulent bien, voilà. On peut en mettre un là. Que j'en garde un sur moi, ça me paraît largement suffisant. Il y a une noix qui a pourri. On va la détruire. Et on va manger un petit peu de ça. Voilà les champignons et le bout de viande ici. Ça, c'est de l'eau sale qui est à moitié. On va surtout pas y toucher. Ces barres là, j'aimerais bien les. On peut pas les foutre quelque part là. Non, elles veulent pas. Ah bah tiens, elle s'est mise là. Ok.
pas de place. Voilà. Allez, ça dégage. On a 32 kilos sur nous. On a quand même, beaucoup de choses, je trouve. Et je vais reprendre un long bâton pour faire une deuxième lance. On est le matin. Voilà, long bâton, il y en a un ici. On en prend un. Il faut tailler les pierres, je pense, fabriquer. Voilà. Ok. On fabrique ça. Je crois que j'ai encore une corde sur moi. Deux. Voilà. Donc ça me fait deux lances. Très bien. J'ai ma hache qui va pas tarder à rendre l'âme. Mais je pourrais utiliser la lame d'obsidienne. Pourquoi pas. Ok. On va essayer de trouver des os. On va utiliser cette lance là. Voilà. La tortue, on n'a pas besoin, on va boire un coup au passage. Voilà. Allez, on va essayer de trouver du gibier. Il pleut. La molinaria, j'en aurais peut-être besoin de ces quatre là. Au passage, on va récupérer les bâtons. Les cordes, j'en ai plus beaucoup, c'est vrai. Et si je revois le jaguar. Le puma, c'est un puma, pas un jaguar. Je n'oublierai pas de lui faire sa fête. Alors, ah, j'ai pas regardé le feu. On va faire le plein de cordes quand même. Ok. Allons voir par là. J'entends une bestiole avancer. Ça devait être par là. Oh. Cette fois, je l'ai entendu cette fois. Ne le voit pas. Il est là. Et je l'ai eu. Mon cochon. Toi. Alors, je peux pas le dépêcher là. On va le récolter. Et voilà, le puma qui m'avait attaqué. Juste à la fin de l'épisode précédent. Je me suis un peu vengé. Ok, c'est pas mal. Allez, on retourne le fer à sécher, le fer à cuire. Super. Super, super. À toi, mon coco. Il me manque une armure. Donc, si je peux déposer les os par là... j'espère qu'on a des os. Ouais, deux à peine. Ah zut. Ok. Un bout de viande qu'on va pouvoir faire sécher ici. Là. Et puis on va prendre celui-là. Oh, c'est pourri ça. Ah ouais, c'est pourri. Ça, là, il dit qu'elle est séchée. Et là, il me dit qu'elle est pourrie. D'accord. Ouais, ça fait trop longtemps qu'elle est là, la viande. Ouais, d'accord. Ok. On détruit. Ça, c'est pas sec. Ok, on met là. Si jamais je la reprends... Ah, il me dit qu'elle est pourrie. D'accord. Toute la viande a pourri. Donc, on peut la détruire. Ok. Eh ben, il n'y aura plus que... elle va sécher, j'espère. Je vois pas le truc démarrer là. On verra, on reviendra voir. Ici, donc, j'ai trois os. Ouais, c'est bon. Je peux me refaire et j'ai des cordes. Donc, on peut faire fabriquer. Un, deux. On va mettre deux cordes.
Et il me manque un nonos ici. Voilà. Hop, comme ça, on est équipé à nouveau correctement. Voilà, il manquait ici. C'est bon. Armure à nos 60%. Les autres sont à 40%. Très bien. Bon, il va falloir aller couper des bambous. Pour ça, j'ai une hache un peu pourrave. Là, j'ai plus que un os. Ouais. Il me faudra faire une hache avec avec ce que je trouverai. Ah, le feu s'est éteint. Zut. On peut récupérer la cendre, le charbon. Et en refaire un vite fait. Hop. Alors, on a ce qu'il faut ou pas sur nous. J'en ai 5. Il me manque un petit bâton. Il y a bien ça qui traîne quelque part dans le coin là. Là. Allez. Allez, voilà. Là j'en ai 5. Il en manquera 3. Il me manque 3. 3 bâtons. Voilà. Ok. Et on va refaire du feu. Voilà. On est bien sale, mais c'est pas très très grave pour l'instant. Tant qu'on mange pas. Voilà. Toi, c'est bien. Alors, si je veux aller chercher. Il a pas plus assez. Si, ça y est. Ouais. On fait la boue ici et puis on va aller chercher des bambous. Il me faut un tas de gros bambous. Je pense qu'il y en a là-bas. On va voir ce qu'on va trouver. Ouais, il y en a plein ici là. Alors il y a peut-être les crocodiles dans le coin et si ça tombe dans l'eau, on est mal. Je pourrais peut-être utiliser ça. C'était pas ça. Et voilà. Ah. Voilà, 3 bûches ici. Comme ça, ça permettra de... Est-ce que je peux en poser une là? Ah ouais, peut-être bien. Voilà. il faut faire une échelle par là. Et ça, je pourrais le détruire. Ah ouais, mais il y a ces poteaux qui vont rester là. Bon. Attention, on a des bestioles sur nous. Non. Non plus. Juste une là. Eh ben. Dégage. Ok. On va rechercher ce qu'il nous faut. Voilà. Waouh. Le troisième, il est là. C'est bon. Ok, très bien. Allez. Hop, hop. Et là, ici, il me faudrait des branches. Normalement, j'en ai plein en bas. Et je peux même en recouper pour en avoir d'autres. Allez, on prend ça. 4. Et voilà, on va construire un petit peu par ici. Voilà, très bien. On va faire un toit en bout, hein, bien entendu. On le fera peut-être plus tard. Pour l'instant, on va continuer à récolter les choses. Ici, là, on peut récolter ça.
Voilà. On va labourer cette zone-là. Labourer celle-là. Et on va planter, j'en ai plein, je crois, là, une branche. Il n'y en a pas d'autres là. Non, c'est que des grandes branches. Tant pis. On va en récolter une. Qu'on va planter ici. Voilà, alors bien sûr, il n'y en a pas d'eau pour l'instant. Là, j'ai quoi? J'ai 50 ici. J'ai rien qui est pourri sur moi, donc je vais aller chercher de l'eau. Par là. Donc là, l'eau, c'est bon. Et là, on va mettre l'eau. Voilà, on va mettre à 100 en hydratation de partout. Oh. Ah, ben j'ai mis 100, d'accord. Ok. Ces bouts de bois là, on va les prendre. Allez. Ah, il n'en prend que 5. On va les jeter là. Ça permet de commencer à faire pousser les trucs. On va prendre des bananes pourries ici, des champignons là. Voilà, ça ira bien. Là-haut, je sais pas pour les bananiers s'il faut, s'il y a besoin d'engrais ou pas, je sais pas. On va mettre un truc comme ça, un truc comme ça. Donc on est à 24. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, très bien. Ça va pousser. Pendant ce temps-là, j'ai ma hache qui va bientôt se casser, mais je vais aller rechercher trois morceaux, trois troncs de bambou. Alors là, il y en a au bord de l'eau, mais ça m'embête. Ah ouais, ton ballot. J'ai pu en sauver un. Ah, ils ont coulé. Bon, on va les poser par là. Alors là, j'ai même pas vu où ils sont tombés. Certainement dans la broussaille ici. Ouais, il y en a là. Voilà, 2 et 3. Bon, dommage qu'on puisse pas emporter 4. Allez, monte. Il commence à fatiguer un peu le coco là. Il fait beau. Hop, voilà, comme ça, on va terminer quasiment de ce côté-là. Hop. Voilà. Quelques branches supplémentaires. Et on est bon. On peut monter à l'échelle là. Voilà. Voilà, si on le pose là. Alors, je dois avoir encore 4 cordes, je pense. Ouais, nickel. Ok, donc il n'y aura plus que le toit à mettre dessus. Voilà, bon, ben, je pense que je vais avancer un peu les constructions. Et puis, on se retrouvera au prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, les amis. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao.